Bonjour à tous, c'est âme d'enfant et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Barbie et cette fois-ci c'est sur les nouveautés 2019. Vous l'avez compris, c'est donc les nouvelles sirènes de la série Dreamtopia et elles sont juste magnifiques. J'ai été super heureuse de les trouver hier en magasin quand on allait faire un tour à King Chouet et du coup j'ai pas pu résister, j'ai pris les trois d'un coup. Comme ça au moins j'étais sûre de les avoir. Sachant que la rose du milieu, il n'y en avait qu'une seule, donc j'étais plutôt contente. Elle était tout au fond et j'ai fait tout le rayon et au final je suis bien contente de l'avoir trouvée parce qu'au début je pensais qu'il n'y avait que celle de gauche et celle de droite. Donc voilà, c'est une bonne surprise et je suis donc super contente. Elles sont mais magnifiques. Vraiment, toutes les unes que les autres. L'année dernière, ils nous avaient sorti vraiment une série très colorée, comme celle d'avant d'ailleurs. Et là, cette année, ils sont restés vraiment sur des couleurs très pastel, très bonbons. Et franchement, je suis totalement fan. Je les attendais depuis qu'on avait vu les premières photos de ces fameuses nouvelles poupées. Et du coup franchement là je suis pas mécontente. Donc je vais tout de suite les déboxer et puis on va pouvoir les regarder un peu plus en détail. Et les voici déjà toutes les trois, les unes à côté des autres. Et franchement je suis trop mais trop contente. Elles sont magnifiques. Petite nouveauté cette année, c'est qu'on a droit vraiment à des paillettes sur toute la gamme du coup. L'année dernière, je crois que elle, c'était la seule qui avait le droit. Voilà, sur le bout de sa nageoire et puis sur son corset. Vous voyez d'ailleurs à côté de la rose que c'est exactement la même. C'est juste la couleur qui change. C'est vrai que cette année, ils ne sont pas trop cassés la tête. Ils ont pris les mêmes formes et ils ont juste changé les couleurs et puis les visages. Mais sincèrement, je trouve le résultat magnifique parce que les couleurs sont vraiment top. Et c'est vrai qu'ils ont, ils sont quand même bien gérés, si, même si, bah, comme toujours, hein, devant c'est bien travaillé, derrière c'est beaucoup plus simple. Mais bon, ça de toute façon, je crois qu'on y aura le droit à chaque fois. Le seul hic, c'est au niveau des cheveux, par contre, ça a gardé bien la forme de l'élastique. Mais bon, ça après c'est rattrapable, c'est pas bien grave. En plus, franchement, ils sont de très bonne qualité, je trouve. Et ils sont vraiment très beaux, donc voilà. Donc on va commencer bah, par notre petite Curvy, hein, qui avait été une nouveauté l'année dernière, et qu'on retrouve cette année, et franchement, mais je suis ravie, parce qu'elle est vraiment très jolie, son visage il est vraiment réussi. Moi franchement j'ai rien à dire, je les adore, vraiment c'est... J'ai pas été emballée comme ça depuis la première sirène de Ya, je me souviens plus en quelle année c'était, mais la sirène bonbon que vous connaissez tous, bah celle-ci, voilà, ça reste quand même ma préférée. Mais là, vraiment, ils ont fait un sacré travail. Et donc, au niveau des cheveux, elle a de très jolis cheveux. Alors, à chaque fois, il y a deux teintes dans les cheveux. Comme vous le voyez, hop, elle est un tout petit peu plus claire. Enfin, il y a des mèches un tout petit peu plus claires que d'autres. Et ça rend plutôt bien. C'est vraiment joli. Donc voilà, toujours dans les tons bien pastels, doux. Ça fait des teintes vraiment très agréables. Son petit haut, il est exactement pareil. Hein. Donc, je vous l'ai dit, les formes sont exactement les mêmes que celles de l'année dernière. Et les couleurs sont toutes différentes. Mais là, vraiment, je kiffe. Hein. Elle est vraiment très jolie. Le dégradé est magnifique. Vous voyez bien les petites paillettes dessus. Très joli. Et le bas qui est tout simple. Mais franchement, ces teintes, je les adore. Elles sont vraiment très belles. Et son visage est quand même une bonne surprise, je trouve, sur celle-ci. Donc c'est plutôt cool. On a également donc Barbie, bien sûr. Hop. Voilà. Donc qui a la peau bien plus claire. Et elle a les cheveux un peu orangés, mais toujours très doux comme couleur, très pastel. Voilà, elle a quelques petites mèches plus claires à l'intérieur aussi. Sa petite tiare, bien évidemment. Son petit haut qui est adorable.
je l'aime beaucoup. Ce qui est bien, c'est qu'au moins cette année, j'ai pu avoir celle-ci parce que j'avais pas pris cette forme-là de l'année dernière qui était sortie. Cette année, ils ont sorti une autre aussi de cette forme, mais pas de la même couleur. De la même couleur, par contre, de celle de l'année dernière, mais avec le visage de Barbie. Voilà. Et en fait, pour le coup, moi, franchement, je préfère celle-ci au niveau des couleurs. Donc, au final, je suis contente de ne pas avoir pris les précédentes et du coup, d'être restée que sur celle-ci. Ça me va très bien. Voilà, donc la nageoire, elle est très très bien décorée comme toujours. Ce qui est bien, c'est que là, la couleur, elle est pareille devant et derrière. C'est juste que bah, devant, vous avez les paillettes en plus. Et en bas, avec ces jolis bonbons. C'est vraiment très chou. J'ai le focus qui veut pas rester. Voilà. Donc elle est vraiment très très bien décorée. Et puis bah, derrière, hein, bien sûr. C'est de la même couleur. Mais c'est quand même très très joli, il n'y a pas à dire. Et le meilleur, je trouve. Enfin, non, franchement, elles sont vraiment toutes très très bien. Mais celle-ci, je l'attendais parce que vraiment tout en rose, je kiffe. Déjà, j'avais adoré la bleue de l'année dernière. Et là, en rose, je la trouve trop trop belle. Et elle a vraiment un très joli visage. Alors habituellement, je suis pas très fan des poupées qui sortent avec le visage, enfin avec la peau noire, je veux dire. Hein, je dis pas que je suis raciste, hein, qu'on soit bien d'accord. C'est juste qu'en général, je trouve que les visages, ils sont pas terribles. Et là, vraiment, je suis trop contente parce qu'en plus, c'était la seule, donc j'ai pas pu choisir. Mais je la trouve vraiment très jolie. Elle a un super sourire. Et vraiment le rose comme ça lui va mais trop trop bien. Avec sa couleur de peau, ça fait super bien. Donc je suis vraiment vraiment ravie. Le petit haut qui est tout mignon aussi. Et puis bah le reste. Il est comme les précédentes. Avec bien sûr les paillettes. Cette fois-ci les paillettes sont juste sur le blanc. Donc ça c'est plutôt cool. Elle a sur son collier. Et puis à la fin, sa nageoire qui est toujours un petit peu translucide, hein, pour le côté joyau forcément, hein, mais je trouve que ça rend mais trop trop bien. Et derrière, bah, ça fait tout rose. Ça me dérange pas. Et puis ses cheveux, voilà, elle a aussi des petites mèches un peu plus claires, ce qui donne un peu plus de relief. Donc c'est plutôt cool, hein, franchement, je suis, mais alors, ravie, je sais, je me répète beaucoup. Mais c'est parce que je les adore, elles sont vraiment trop belles. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous êtes aussi excitée que moi. Mais franchement, je les adore et j'attends bien évidemment la suite. Parce que j'ai vu qu'ils allaient sortir encore au moins deux autres sirènes. Pas de la même collection, un peu plus. Enfin, si, c'est toujours Dreamtopia de toute façon. Mais il y en a une, c'est Crayola, qui a l'air pas mal. Vous avez pas mal de blanc sur la nageoire et le haut, et en fait vous allez pouvoir colorier dessus. Et il y en a une autre vraiment là que j'attends absolument, c'en est une qui est de nouveau, alors je crois que c'est Danse Aquatique me semble-t-il, et c'en est une, ça rappelle un petit peu la sirène arc-en-ciel lumière et son, non lumière tout court, ouais. Et sauf que celle-ci, en fait, ils ont repris enfin des articulations d'avant et un petit peu améliorées, on va dire. Et du coup, elle a la nageoire qui bouge. Donc ça, j'ai vraiment hâte de la voir pour vous la présenter. Ça, c'est vraiment celle que j'attends le plus. Et puis, il y a d'autres nouveautés aussi que j'attends. Je pense qui vont venir après par la suite. Donc voilà, j'arrête de parler. Et sur ce, je vous dis à très bientôt et je vous fais des gros bisous. Bye!